Le prince Harry a reçu au château de Windsor Jane Goodall, l'ethnologue célèbre pour avoir observé et étudié le comportement des singes. Le duc de Sussex a effectué quelques pas de danse avec la scientifique, puis le salut des chimpanzés qu'elle lui avait appris lors de leur première rencontre. Dans la famille royale, on est sérieux, mais parfois on aime bien aussi faire le pitre. Le prince Harry l'a bien démontré, alors qu'il recevait mardi 23 juillet à St. George V, au château de Windsor, la doctoresse Jane Goodall, l'ethnologue britannique célèbre pour avoir observé et étudié le comportement des singes. Devant les membres de la fondation Roots and Shoots, le papa d'Archie a improvisé quelques pas de danse, dans les bras de la scientifique. Plus sérieusement, il a ensuite effectué face à elle le salut des chimpanzés, qu'elle lui avait appris lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Un moment qui a beaucoup ému Jane Goodall, comme on peut le voir sur la vidéo postée par le compte Instagram officiel du prince Harry. L'événement de ce jour a été riche en éducation, inspiration et amusement. Parce qu'on peut à la fois travailler dur et s'amuser beaucoup, peut-on lire en légende aux images publiées sur le réseau social. Jane Goodall a également rencontré l'épouse du prince Harry, Meghan Markle, et leur fils Archie. Interrogée par le Daily Mail, l'ethnologue a raconté comment s'était passée leur entrevue. Elle m'a dit qu'elle m'avait suivi toute sa vie. Elle m'a dit « Vous êtes mon idole et mon héroïne depuis que je suis petite. » Elle a ensuite ramené Archie et j'ai pu le prendre dans mes bras. Il est très mignon et très gentil, a-t-elle rapporté.